ça y est, je me suis lancée dans la vente directe. Non, sérieusement, ouais. Tu t'es lancée? Je suis devenue conseillère beauté. Conseillère beauté, à ton âge, ma pauvre Gisèle, mais dans quoi tu t'es embarquée? Non, mais franchement, même si tu te maquillais comme une vitrine taguée, t'arrêtes toujours pas le profil. Et moi, je trouve que je suis bien dans le format, je suis bien dans le moule de la vraie conseillère beauté. Ouais. Et à force d'être dans le moule, tu vas finir par ressembler à une tarte. Hein? Et alors moi, pour m'éclater, je m'éclate. Mais je m'éclate à m'en faire péter la choucrane. C'est bien simple, je me sens comme une bombe. Mais alors, comme une bombe, hein? Parce que mes copines, quand elles me voient, elles aussi elles ont envie de s'éclater. Elles aussi elles ont envie d'être des bombes. Eh, tu peux lui dire à ce triste cire là que pour développer son réseau relationnel, il vaut mieux un débutant passionné qu'un prix Nobel déprimé. Alors écoutez, Gisèle, côté prix Nobel, t'es tranquille, tu risques rien. Je vais quand même pas devenir femme au foyer, moi, à faire la popote quand même. Ah, mais c'est ça, mais tu es jaloux. Mais non, mais... Ça te défrise la moumoute que je m'éclate, moi aussi, hein? Mais il s'éclate pas du tout. Mais non, parce que tous les jours, il a des collègues tristes comme des figures de poulpe. Un patron qui lui casse les pieds, un plafond de verre en dessus, un sol tout mou en dessous. Et bien, il est pas stable dans son travail. Il est pas stable, il est mal assis, il est bien mal assis. Et puis ça aussi, c'est connu, hein. Bien mal assis, ne profite jamais. C'est simple, moi aujourd'hui, je me sens une vraie VDI, tu vois. Vivante, dynamique et importante. VDI, quoi!